Ils ont pris leur distance de la famille royale, mais cela ne signifie pas qu'ils ont coupé tous les liens. Ce 10 juin, Meghan et Harry n'ont pas oublié de souhaiter un joyeux anniversaire au grand-père d'Harry, le prince Philippe. Le mari d'Elizabeth II célébrait aujourd'hui son 99e anniversaire. L'occasion pour lui de recevoir de nombreux messages de félicitations. Même venant de l'autre bout de l'Atlantique. En effet, comme l'écrit le Daily Mail, le couple princier a parlé avec le prince Philippe pour lui souhaiter un joyeux 99e anniversaire. Toujours selon le journal britannique, le prince Harry et Meghan Markle ont fait un appel vidéo depuis leur maison située à Los Angeles. En revanche, ils ne se sont pas exprimés publiquement. Des choix différents de ceux du prince William et de sa femme Kate Middleton qui ont choisi de poster de beaux hommages sur les réseaux sociaux. Ainsi, le prince William a partagé une photographie avec son grand-père lors de la Coupe du Monde de rugby de 2015 ainsi qu'une photographie d'enfance du prince Charles avec le prince Philippe. Le détail très romantique d'Elizabeth pour célébrer l'anniversaire du prince Philippe en confinement dans la résidence royale de Windsor, le prince Philippe n'a pas pu voir sa famille pour cet anniversaire à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Car le Royaume-Uni est très touché par l'épidémie. Les rassemblements de plus de 6 personnes étant toujours interdits et le grand âge du mari d'Elizabeth le rendant fragile, le prince Philippe a donc passé la journée avec sa femme. Mais si ce dernier avait indiqué ne pas vouloir faire toute une histoire de son anniversaire, la reine lui a tout de même adressé un très beau message. Elizabeth II, avec qui il est marié depuis 73 ans, a en effet sélectionné sa broche préférée, à la forme pleine de symbolique, un cœur.